Ceviche de Saint-Jacques. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 12 noix de Saint-Jacques, 5 citrons verts, 2 avocats, des oignons nouveaux, de la coriandre fraîche, 2 piments rouges doux et 2 échalotes. Voilà, nous avons tailler tous les petits condiments qui vont aller à la cuisson de la Saint-Jacques. Nous allons maintenant tailler la Saint-Jacques, idéalement en 8, je vais vous montrer. Et après, on va le mettre à cuire au citron. Donc on coupe d'abord en 2 sur la hauteur. C'est assez ferme, hein, c'est de la Saint-Jacques de Saint-Brieuc. Après, tout simplement en 4. On met dans le petit pot. Réserve. Et on va faire ça sur les 12 noix. Étape suivante, nous allons ajouter le citron et bien séparer les morceaux de Saint-Jacques. Nous allons ensuite ajouter tous les condiments à l'exception de l'avocat que l'on mettra après avoir enlevé le jus de citron au dernier moment pour que l'avocat reste bien coloré. Une fois tous les ingrédients mélangés, on prend une cuillère et on va bien chercher les noix de Saint-Jacques dans le fond. On mélange tout, qu'il y ait des condiments partout. Le citron doit être à nappe, c'est-à-dire qu'on doit le voir juste à la surface, mais ne doit pas couvrir tout. Et on réserve toujours l'avocat pour le dressage. Voilà, ça fait 12 heures que les Saint-Jacques sont dans le citron. Nous allons d'abord les égoutter, puis après y ajouter les petits cubes d'avocat, pour une personne en l'occurrence. Et après, procéder au dressage et aux finitions avec les lamelles d'avocat. Mais après, vous êtes libre de laisser votre créativité s'exprimer. Donc on ne récupère pas le jus de citron, on l'utilise uniquement pour la cuisson du crustacé. Je vais prendre de quoi faire un verre. Je vais y rajouter la brunoise d'avocat. Nous avons choisi de dresser dans un verre à martini, mais libre à vous de choisir un récipient à votre convenance. Et voilà, un ceviche frais, juste après l'apéritif, avant un gros repas, ce serait idéal. Bonne dégustation.